Alors bonjour, on va commencer à décrire maintenant les lipides simples et les lipides complexes. Alors on va commencer par les lipides simples. Alors qu'est-ce qu'on appelle des lipides simples? Ce sont des lipides qui ne comportent que des carbones, de l'oxygène et de l'hydrogène dans leur structure. Alors pour le premier des lipides simples, on va commencer par les triglycérides ou triacide glycérol, ça revient au même. Alors, ils sont formés d'un glycérol associé à trois acides gras, on va le voir juste après. Mais le glycérol possède trois fonctions alcool sur lesquelles peuvent être esterifiés trois acides gras. Alors, les triglycérides sont les lipides quantitativement les plus représentés dans notre alimentation. Et ces triglycérides sont une forme de réserve des lipides, des acides gras dans notre organisme, et ils sont mis en réserve dans les adipocytes, les cellules du tissu adipeux. Le rôle des triglycérides est un rôle principalement énergétique lorsque on est en état de jeûne. Il va y avoir consommation de ces triglycérides. Alors, on peut rencontrer, si il y a un seul acide gras qui est fixé sur le glycérol, on parlera alors de monoglycéride ou monoacylglycérol, la désinence acyle indiquant l'acide gras. Du coup, s'il y a deux acides gras sur le glycérol, alors on parlera de diglycéride ou de diacyl glycérol. Et enfin, s'il y a trois acides gras, on parlera alors de triglycérides ou de triacyl glycérol. Alors si on regarde un petit peu la structure du glycérol, eh bien on voit qu'il y a donc trois fonctions alcool. Donc il possède trois carbones, trois fonctions alcool. Sur chaque carbone, il y aura une fonction alcool. Et sur chacune des fonctions alcool, eh bien, il y aura estérification d'un acide gras. Et on va former comme ça une liaison ester. Alors, petite remarque, ces liaisons ester peuvent être coupées par des lipases enzymatiques associées à des colipases dans notre tube digestif. Alors, ceci étant dit, sur chacune des fonctions alcool, il est donc possible de fixer un acide gras. Et cet acide gras peut être en général l'acide oléique, l'acide palmitique ou l'acide arachidonique. Ce sont les acides gras les plus représentés. Ils peuvent être saturés ou insaturés, peu importe, au niveau du glycérol. Alors nous avons vu le premier lipide simple comme étant le triglycéride. Le noyau, donc, c'était le glycérol. On va aborder maintenant un deuxième noyau qui est un stérol. Voilà, donc c'est le cholestérol qui est ici représenté. Le cholestérol a principalement un rôle structural, hein. Il présente quatre cycles A, B, C, D qui sont ce qu'on appelle les cycles cholestane. Et au total, il a 27 carbones. Par ailleurs, le cholestérol possède donc une fonction alcool portée par le carbone numéro 3. Et c'est sur ce carbone numéro 3, sur cette fonction alcool, que pourra venir s'estérifier un acide gras. Alors, le cholestérol est un constituant des membranes biologiques, hein, il va conférer une résistance mécanique aux membranes. Et en gros, plus vous avez de cholestérol dans la membrane, et plus elle sera fluide, et inversement. Donc le cholestérol va contenir bien 4 cycles A, B, C et D du noyau stéroïde, qui forment ce qu'on appelle le cycle cholestane, comme je vous l'ai indiqué, et il présente également une queue carbonée. Alors c'est sur le carbone numéro 3, donc la fonction alcool portée par le carbone numéro 3, qu'il y aura formation d'une liaison ester avec un acide gras pour former un ester de cholestérol, un acide cholestérol. Par exemple, si on met un acide palmitique, on aura un palmitate de cholestérol, par exemple.
Alors cette fonction alcool est le seul caractère polaire du cholestérol, sinon le cholestérol est quand même globalement très hydrophobe. Alors le cholestérol très rapidement possède un rôle métabolique car c'est un précurseur des hormones stéroïdes, de la vitamine D, des acides biliaires. Enfin, on va terminer avec les céride qui sont également des lipides simples puisqu'il n'y a que du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Alors il s'agit de condenser, de réaliser une estérification entre un alcool gras, ici vous avez l'alcool éthylique par exemple, et un acide gras, par exemple ici vous avez représenté un 16 carbone, donc un acide palmitoléique, et on va réaliser une liaison, une estérification, et on va former comme ça une longue chaîne aliphatique très largement hydrophobe, puisqu'on aura perdu le caractère hydrophile de l'alcool gras, et la fonction carboxylique de l'acide gras. Donc les céride, ben, ce sont des composés qui sont très hydrophobes et que l'on retrouve notamment au niveau des cires. Alors voilà, on en a fini avec les lipides simples. On va aborder maintenant les lipides complexes. Alors les lipides complexes sont des lipides, ce sont des molécules qui possèdent des carbones, de l'hydrogène et de l'oxygène, mais aussi du phosphate, de l'azote et autres atomes que l'on pourrait rencontrer dans les lipides complexes. On va commencer avec les glycérophospholipides. Donc dedans, vous entendez bien le terme glycéro, donc il y a bien un glycérol. Ce sont des lipides, donc il y a également des acides gras et il y a un phosphate, phospholipide. Donc on a bien effectivement un phosphate, un acide phosphorique qui va être fixé. Et sur l'acide phosphorique, vous aurez donc un alcool. Alors, ce ne sont pas des lipides de réserve, ce sont des lipides de structure hein, qui participent à la constitution des membranes biologiques. Ce sont des molécules qui sont amphiphiles, c'est-à-dire qu'ils possèdent à la fois une extrémité apolaire, notamment constituée par les deux acides gras et le glycérol, qui constituent la partie apolaire. Et une partie polaire qui est formée par le phosphate et l'alcool. Alors, ce sont des constituants membranaires, hein, comme je vous l'ai dit, et ils peuvent également jouer le rôle de médiateurs. Donc, vous verrez ça dans les cours de biologie cellulaire, mais par hydrolyse, par des phospholipases, il y a possibilité de libérer des médiateurs intracellulaires. Alors si on reprend un peu la structure, on retrouve bien notre glycérol, hein, donc on retrouve bien nos trois carbones avec trois fonctions alcool. Donc sur le carbone numéro 1 et le carbone numéro 2, on peut fixer deux acides gras, donc par estérification. Et sur le carbone numéro 3, eh bien, on va fixer un acide phosphorique. Alors cette structure de glycérol plus deux acides gras plus un acide phosphorique forme ce qu'on appelle l'acide phosphatidique. Alors sur le phosphate, eh bien on va fixer un alcool. Alors il y a plusieurs alcools qui sont représentatifs. Alors le premier c'est la choline. Alors la choline est une molécule qui est chargée positivement et que l'on rencontre notamment au niveau de la lécithine. Alors si on fixe la choline, on va obtenir un phosphatidylcholine. Si on fixe un éthanolamine, eh bien on va obtenir un phosphatidyl éthanolamine. Si on fixe une sérine, on obtiendra une phosphatidylsérine. Et enfin, si on fixe un phosphatidyl, enfin un inositol, eh bien on va obtenir un phosphatidylinositol. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de médiateurs intracellulaires. Alors dans le cas justement de l'inositol, il peut être phosphorylé, auquel cas on aurait un phosphatidylinositol 2-phosphate, hein, le PIP2. Et par action d'une phospholipase, eh bien, on pourrait libérer de l'IP3, c'est-à-dire de l'inositol 3-phosphate, qui va être un médiateur intracellulaire. Alors, on peut enfin, pour terminer, fixer un glycérol pour former un phosphatidyl glycérol. Donc, je répète, la partie qui sera la partie glycérol plus les deux acides gras constituera le pôle hydrophobe des phospholipides et la partie qui sera associée à l'acide phosphorique plus les alcools constituera le pôle hydrophile.
Alors pour terminer avec les lipides complexes, il faut parler des sphingolipides. Alors la base, je vous rappelle, hein, la base des triglycérides, c'était le glycérol. La base des phospholipides, des glycérophospholipides, c'était encore le glycérol. Eh bien la base des sphingolipides, c'est non pas le glycérol, mais une sphingosine. Alors la sphingosine, c'est un aminoalcool qui possède sur le carbone numéro 1 une fonction alcool, et qui possède sur le carbone numéro 2 une fonction amine. Et contrairement à ce que l'on pense, c'est bien sur la fonction amine que viendra se fixer l'acide gras par une liaison AMI2. Alors sur la fonction alcool du carbone numéro 1, on a deux cas de figure qui peuvent se présenter. Soit on va fixer un phospho-alcool, et on va obtenir comme ça des sphingophospholipides. Donc l'alcool en question, ce peut être souvent la choline. Et donc on obtiendra comme ça la sphingomyéline. Soit on peut fixer sur la fonction alcool un ose, un ou plusieurs oses, auquel cas on obtiendra des sphingoglycolipides. Alors dans le cas où on va fixer un seul ose, eh bien on va obtenir cérébroside. Et alors cet alcool, cette ose peut être le glucose ou le galactose. Soit on peut fixer plusieurs oses, et auquel cas on va former ce qu'on appelle des ganglioside. Et on peut fixer comme ça des oses qui sont, ou des dérivés d'oses, hein, comme du glucose, le galactose, ou des oses un peu modifiées comme le N-acétylgalactosamine. Alors je répète, hein, ce sont des molécules, les sphingolipides sont des molécules qui sont amphiphiles. Donc la partie sphingosine et la partie acide gras va constituer la partie hydrophobe, apolaire, et la partie soit acide phosphorique et alcool pour les sphingophospholipides, ou la partie osidique pour la partie sphingoglycolipides, constituera la partie polaire. Donc ce sont bien des molécules amphiphiles qui rentrent dans la composition des membranes biologiques. Alors un petit mot très rapide sur la sphingomyéline. Donc là j'en ai profité pour vous donner la structure exacte de la sphingosine. Donc vous voyez bien qu'il s'agit d'un aminoalcool. Vous avez bien une fonction amine sur le carbone numéro 2 et une fonction alcool sur le carbone numéro 1. On voit bien une liaison amide au niveau de l'acide gras. Hein. On voit bien que l'acide gras a formé une liaison amide au niveau du carbone 2 de la sphingosine. Et on voit bien sur le carbone numéro 1 un acide phosphorique et dans le cas présent, la choline. Alors c'est intéressant d'en parler parce que ça constitue la sphingomyéline, et la sphingomyéline est un constituant membranaire important. Il représente 80% des sphingolipides de l'organisme, et là en l'occurrence on le trouve en grande quantité au niveau des neurones. Juste pour terminer un mot, la sphingosine associée à l'acide gras constitue ce qu'on appelle un céramide. Voilà, bon, c'est assez pour le détail.